Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 pour un nouvel épisode de mon aventure sur Country Life. Aventure qui demande beaucoup de crédit, hein, dans le jeu. Ouais, parce que si à la limite tu peux aller plus vite si tu achètes toi-même les RC et tout ça, mais moi j'ai pas envie. C'est pas le but du jeu d'acheter quand même s'ils aimeraient bien. Bon, allez, go! Nous allons aller acheter une extension. Mais d'abord, récupérons un petit peu des pépettes. Voilà, bon oui, c'est bien. Allez, go! Donc, l'extension que je dois acheter coûte 3 500 000 crédits. J'en ai 3 500 000. 38 000 crédits, j'arrondis. Je pourrais également acheter celle-ci, mais en fait, ça me servira à rien parce que j'ai pas grand-chose à installer sur ma map à part en rien en fait. Allez, on achète. Attention, douleur, 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 douleur. Tada! Oh, que c'est joli! Un petit peu de terre en plus, ça coûte cher la terre, hein. Ah, on se croirait dans Alaska, la ruée vers l'or. T'achètes ta concession pour après chercher de l'or. Ah. Mais moi, non, je vais planter du trèfle. Alors là, faut aller tout doucement parce que si tu plantes, après faut attendre. Si tu te trompes, parce que quand tu fais un jeu sur les champs, sur l'agriculture et compagnie, il vaut mieux éviter de parler de planter. Tac. Voilà. Donc ça coûte 15 normalement. Ouais. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tout planter avec vous parce qu'on va se faire un petit peu. Oui. Donc voilà, la prochaine extension coûtera 4 millions de crédits. Ben en fait, c'était la dernière. Ça sera la dernière extension. Ah, quand même! Après, c'est juste des rajouts sur les côtés. Et ça, à 205 RC, sérieusement. Ah ouais, en fait, c'est la même chose que ça, sauf que ça coûte cher, quoi. C'est beaucoup pour pas grand-chose en fait. Et voilà. Direct, je fais ça en même temps. Comme ça, je vais récupérer un petit peu d'argent. Hop. J'entends les filles qui marchent à l'étage. J'enregistre, on est l'après-midi donc. C'est pas étonnant, étonnant. Hop. Faudra que je gère bien mon argent pour rester dans des sommes correctes. Parce que là, je viens de faire quand même une sacrée bourde. Normalement, je devais attendre que ce soit mûr pour acheter l'extension. Étant donné que je dois planter du poivron, mais que j'aurai peut-être pas le budget. Bah tant pis. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mal géré. Bah tant pis. Oh là là. Pire, c'est que c'est les abeilles, elles vont dire. Oh, du trèfle, ça y est, nous voilà en train de travailler. Les vaches, elles vont dire. Oh, du trèfle, ça y est, nous voilà en train de retravailler. Et ça, tu peux pas le planter, tu sais, tu laisses appuyer et hop,
fais ta ligne, non, tu peux pas poser le sol. Alors que c'est juste un coup de râteau, quoi. Oh, franchement, c'est mal foutu. Allez, on finit de planter ça. Ah bah dis donc, c'est un petit peu long quand même. Tu fais un par un et mais dans la vraie vie, c'est pareil. Enfin, si t'es pareil au râteau, hein, parce que si t'es au tracteur. Ça va un petit peu plus rapidement. Voilà. Bon, ben, c'était l'épisode hyper intéressant d'Orphéa. Et voilà. Et de toute façon, on va finir l'épisode en allant voir la ferme de Michael ou Michel. Je sais pas comment ça se prononce parce que je sais plus de quelle origine il est. Je sais qu'il n'est pas français parce que l'autre coup, j'y ai souhaité son anniversaire et j'y ai souhaité marquer bon anniversaire. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde écrivait en anglais ou dans d'autres langues. Donc, c'est pas grave, on s'en fout, il m'a répondu, il était content. Non. On s'en fout après, l'important c'est d'être cool avec les gens. Basta. Puis de pas se poser la question, non, oui, mais si je lui dis ça comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? On s'en fout. C'est son anniversaire et puis ça lui a fait plaisir. Et puis à moi aussi, parce que franchement, j'ai pas beaucoup de voisins sur Country Life. Donc, je n'hésite pas à leur dire merci. Voilà. Bon, bah on va attendre parce que si je me sauve tout de suite. Je vais perdre tout ce que j'étais en train de faire. Toc. Et puis, comme on va avoir du trèfle, je vais aller chercher dans ma grange la machine à faire. Toc. Ah, si, je peux la mettre là. Et c'est pas pratique dans les arbres. Voilà. Donc, on va réinstaller ça pour faire. Beurre, crème, tout ça. Je vais faire plutôt ça. On va faire des yaourts parce que comme ça fera avancer les XP rapidement. Voilà. Attends, deux. C'est pas grave. Allez, on va se promener un petit peu. Oh là là. Il est au niveau combien lui? 89. Et il a tout ça. Oh là là, regarde-moi ça, les. Les serres. Zoom out. Ah, ça y est. Wow. Ah, ça, c'est la machine à café qui est ici. Bon, attends, des serres, il en a combien? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 28 serres. Eh ben dis donc, après il fait du jus. Bah oui, quand t'as des arbres fruitiers, c'est le plus intéressant. Et ça, c'est des patates. Des carottes. Bah oui, oh, que je suis bête. Non, mais c'est parce qu'on a vu. Il était une fois l'homme qui passe sur France 4 et. Ils avaient mangé les feuilles des plants de patates, les gens. Ils étaient tombés malades. Ah, c'est pas drôle, je dis ça en rigolant, mais c'est dans le dessin animé. Après, ils couraient et tout ça, ils étaient pas morts. Donc, c'est pour ça que. Et j'adore, il était une fois l'homme. Voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour découvrir un petit peu ce qui s'est passé sur ma ferme qui est maintenant très très grande. Même si ça se voit pas trop. Allez! Des gros bisous tout le monde, à plus!